Je crois que jamais, cette année du moins, notre émission aura mieux qu'aujourd'hui mérité son titre, puisque nous parlons de problèmes d'interprétation et qu'il s'agit aujourd'hui d'un livre de Mademoiselle Sarah Kaufman, L'enfance de l'art, récemment publié aux éditions Bayeux. Sarah Kaufman, qui a étudié les problèmes posés par l'esthétique freudienne, au sens large du terme, va être confrontée, si je puis dire, avec Jean-Louis Baudry. Jean-Louis Baudry n'est pas seulement un romancier appartenant à l'école de Tel quel, le romancier qui a écrit Personne et La création, création entre guillemets, c'est aussi un théoricien. Un théoricien de la littérature qui s'est intéressé beaucoup aux problèmes de psychanalyse, aux problèmes freudiens. Je vais vous demander, Sarah Kaufman, comment vous avez été amenée, vous qui êtes philosophe, à écrire un livre sur les origines, entre guillemets, si vous voulez, les origines, les genèses de l'art telles que les voit Freud. Oui, enfin, mon projet n'est pas exactement le problème de l'origine des problèmes de l'art tels que les voit Freud. Quand je réponds à la question, la manière dont j'ai été amenée à m'intéresser en tant que philosophe, eh bien, à dire vrai, il y a plusieurs origines, c'est-à-dire que ce n'est pas tellement en tant que philosophe. Je crois que d'une manière générale, on ne peut pas s'intéresser à la psychanalyse, quel que soit le point de vue, même le point de vue concernant l'art, si l'on n'a pas eu des problèmes personnels qui vous forcent à vous intéresser à la psychanalyse. Donc, et ensuite, je pense que j'ai été amenée à m'intéresser au problème spécial de l'esthétique chez Freud, justement par rapport à un article que j'ai lu dans Tel quel, justement de Jean-Louis Baudry, concernant la création littéraire chez Freud. Et comme déjà je connaissais pas mal Freud, j'ai été, à une lecture un peu rapide peut-être, été un peu choquée par la manière dont Jean-Louis Baudry parlait justement de la création littéraire, et en particulier comment il faisait toute une critique à Freud à partir de la lecture d'un seul livre de Freud. Enfin, il avait sûrement lu d'autres livres, mais il mettait en question un seul livre de Freud, essentiellement la création, le livre sur la création ainsi que celui sur la Gradiva. Mais enfin, c'était quand même des œuvres assez partielles. Et il m'a semblé, moi, qu'une lecture complète des œuvres de Freud, pas simplement ses œuvres sur l'art, mais la totalité du corpus freudien, permettait de faire une lecture de Freud tout à fait autre, et en particulier concernant l'art. Il m'a semblé que s'il est vrai que les œuvres de Freud concernant l'art avaient un statut un peu spécial dans son œuvre, on ne pouvait vraiment les comprendre sans les déformer qu'à partir de la totalité de l'œuvre. Quand je dis qu'il avait un peu un statut spécial, je veux dire que Freud a toujours eu une attitude un peu ambivalente ou même ambiguë à l'égard de l'art, d'une part, et d'autre part, que concernant les œuvres qu'il a écrites sur l'art, alors, il les a traitées d'une manière spéciale. C'est-à-dire, par exemple, dans son texte sur le Moïse, qui est une œuvre très connue de Freud Moïse sur ce et le sujet. Monothéisme. Non, non, le Moïse, le Moïse de Michel-Ange. Oui, qui se trouve dans les essais de psychanalyse appliquée, enfin dans la traduction existante. Freud, à propos de ce texte, avait écrit dans une lettre à sa femme que c'était un enfant illégitime de la psychanalyse. Enfant illégitime, je crois que c'est un point important. De même, dans un autre texte important de Freud sur l'art, qui est son texte sur Un souvenir d'enfance de Léonard de Vinci, il écrit que il a fait de Léonard de Vinci un roman psychanalytique. Donc je crois que si on relève ces deux expressions, roman psychanalytique d'une part et d'autre part enfant illégitime de la psychanalyse, on voit déjà qu'il y avait une attitude un peu spéciale. Et cette attitude spéciale de Freud à l'égard des œuvres d'art qui m'a permis de tenter une lecture des œuvres de Freud concernant l'art lui-même comme si c'était des œuvres d'art elles-mêmes, c'est-à-dire que pas vraiment des textes uniquement scientifiques, ayant un statut scientifique. Est-ce que vous pouvez essayer de rappeler les principaux titres, enfin depuis le début un tout petit peu jusqu'à la fin, des textes de Freud principalement appliqués à l'art ou disons ou mettant en cause directement des problèmes d'art? Oui, alors je crois qu'il s'est intéressé dès le début, dans des lettres d'abord importantes à Fliess de 1888, dans lequel il s'est déjà intéressé à Œdipe et à Hamlet et à d'autres auteurs allemands moins connus comme Herbert par exemple.
Et puis, il y a les textes sur, enfin, il y a le mot d'esprit, ses rapports avec l'inconscient, c'est pas exactement une œuvre d'art, c'est un texte charnière, important. Le délire et rêve sur la Gradiva de Janssen, qui date sur 1906. Et puis, un tas de petits articles qui se trouvent dans les essais de psychanalyse appliquée, comme les trois coffrets, l'essai sur les trois coffrets, l'inquiétante étrange James, ça c'est déjà plus tardif, le texte sur Léonard de Vinci, Souvenir d'enfance de Léonard de Vinci, 1910. Donc, le temps de texte important, l'inquiétante étrangeté, dans lequel il parle beaucoup des contes d'Hoffmann. Et puis, alors, un autre texte très tardif, mais également important, qui n'a d'ailleurs pas été publié du vivant de Freud, auquel il s'est. Qu'il n'a pas. Qu'il ne voulait pas publier, qui est un texte sur Dostoïevski et le parricide, mais dans lequel je crois que c'est un texte important parce qu'il aborde une certaine méthode de lecture d'un texte de Stephen Zweig. Et on pourrait peut-être se demander pourquoi, dans une œuvre sur Dostoïevski, il parle essentiellement de Stephen Zweig, enfin, comme point important. Je crois que l'un des grands mérites de votre livre, qui a été, je crois, une thèse du troisième cycle soutenue à l'Université de Nanterre, c'est précisément que vous ne vous bornez pas à une étude de Freud interprète d'œuvres d'art bien précises. C'est toute la pensée freudienne qui est évoquée dans votre livre, par rapport évidemment aux problèmes de forme. Or, ces problèmes de forme, vous montrez très bien dans la première partie de votre ouvrage que il nous concerne tous, que nous sommes tous des créateurs parce que tous nous rêvons. Je crois qu'il y a là une analyse pertinente du problème du rêve et aussi du problème du mot d'esprit, du problème de ce mot d'esprit qui est au fond une œuvre d'art intellectuelle destinée à la fois à exprimer et à cacher une pulsion, une tendance agressive qui est en chacun de nous. Il y a là, je crois, deux pôles, le rêve et le mot d'esprit, dont nous pourrions parler à partir de Freud et de votre livre. Jean-Louis Baudry, tout à l'heure, j'ai employé le mot genèse, origine, et le livre de Sarah Kaufmann infirme ce que j'ai dit là, puisque le livre de Sarah Kaufmann ne traite pas de l'origine de l'œuvre d'art d'après Freud, mais de la pensée de Freud par rapport aux œuvres d'art. Qu'est-ce que vous en pensez? D'abord, je voudrais souligner, comme vous, le mérite du livre de Sarah Kaufmann, qui me semble présenter l'avantage de rassembler dans un ouvrage une grande partie du corpus freudien sur les œuvres d'art. Et je crois que ça n'avait jamais été fait, et c'est pour moi un très grand mérite. Mais il est certain que j'ai des objections. J'ai des objections à faire à Sarah Kaufmann, parce que. Ce livre se présente d'autre part comme effectivement une sorte de défense de Freud. Il a un caractère polémique contre ce qui aurait pu sembler des attaques contre Freud. Il me semble que son objectif est de montrer que la conception freudienne de l'art ne se rattache pas à une conception théologique. Et Sarah Kaufmann centre toute son attaque sur une conception théologique, dit-elle, en soulignant bien les rapports de l'artiste à son œuvre, qui seraient des rapports de créateur à créature, mais elle ne dit pas que cette conception peut se rattacher à une conception métaphysique ou idéaliste. Donc, premièrement, c'est une défense de Freud, mais il me semble que dans cette défense, il y a un peu une ignorance du lieu à partir duquel un certain nombre d'objections avait été faite à Freud. C'est-à-dire qu'il y a très souvent, il me semble, dans ce livre, des réponses, mais des réponses à des questions qui ne sont pas précisées et qui sont comme absentes. D'autre part, vous faites appel à des notions comme la notion d'intertextualité, etc., qui sont quand même des concepts assez nouveaux et vous n'en indiquez pas les sources. Bon. Alors, il me semble que cette défense repose sur un certain nombre de présupposés, et en particulier, je crois que ça c'est le gros point, en particulier celle qu'il ne saurait y avoir de contradiction dans le texte freudien, et en particulier qu'il ne saurait y avoir de contradiction entre ce que l'on pourrait appeler une certaine persistance d'une idéologie
chez Freud, qui pourrait se révéler lorsque Freud parle de la création ou des œuvres d'art, et le travail scientifique de Freud qui existe, évidemment, qui est le fait qu'on puisse parler de Freud. Là, je vous trouve un peu injuste et j'aimerais sur ce point redonner la parole à Sarah Kaufman pour qu'elle, disons, elle nous enfonce un tout petit peu plus dans la démarche même de son livre, quand vous l'accusez de ne pas, en quelque sorte, mettre en jeu, et au départ, la contradiction de Freud vis-à-vis de l'art. En ce sens qu'elle emploie elle-même, dans le premier chapitre, le terme de double lecture, qui vise, me semble-t-il, aussi bien la lecture que Freud opère par rapport à l'art que celle que nous pouvons, nous, opérer du texte de Freud. Oui, alors là, justement, je pensais à cette objection, c'est-à-dire que je ne veux pas montrer qu'il n'y a pas de contradiction dans le texte de Freud, mais je pense qu'il y a différents plans de lecture possibles de son texte. C'est-à-dire un plan dans lequel il se situe effectivement au niveau de l'idéologie et qui est commune à l'idéologie du public et de l'artiste. Bon, et dans le texte explicite de Freud, il y a effectivement tous les termes de créateur, de don, en fait, ce que j'appelle l'attitude théologique. Ça, c'est dans le texte. Mais... oui, c'est à la représentation alors, commune d'autre de l'artiste part, à la fin du 19e. D'autre part, la contradiction qui est et qui est également explicite dans les textes, c'est que par ailleurs, dans les textes sur la religion de Freud, par exemple dans L'avenir d'une illusion, mais dans d'autres textes, tous les textes de l'illusion qui sont très clairs de Freud là-dessus, très explicites, il y a une critique radicale de la religion, de chez Freud, en tant qu'il la réduit donc à un processus psychologique. Et dans cette critique de la religion, il y a la critique nécessairement du créateur, un créateur, par exemple également d'une providence, d'une bonne nature. Bon, donc il y a effectivement une contradiction très grande dans le texte, si on s'en tient à ce que dit Freud. Et mon projet, c'est de montrer que cette contradiction existante de fait dans les textes peut être, dans une certaine mesure, levée, étant, si on adopte une différence, et ici sont des concepts de Derrida que je reprends, entre ce que dit Freud et ce qu'il fait. Et quand, évidemment, quand je dis ce qu'il fait, je ne parle pas ici de sa pratique psychanalytique, je parle de ce qu'il fait dans ses textes eux-mêmes, c'est-à-dire dans son écriture et dans la manière dont, finalement, il traite. Il traite les auteurs ou les artistes lorsqu'il en fait une analyse, il fait l'analyse de leurs œuvres. Alors cette distinction entre ce qu'il dit et ce qu'il fait me permet de faire ce que j'appelle une double lecture, c'est-à-dire de distinguer entre un texte explicite et finalement une autre pensée qui n'est pas simplement cachée volontairement par Freud d'une manière délibérée, ce qui est le cas aussi. C'est pourquoi je parle de stratégie quand c'est fait d'une manière délibérée, mais également fait d'une manière implicite. C'est-à-dire que très souvent, quand on fait quelque chose, on fait autre chose que ce que l'on dit. Et pas nécessairement d'une manière volontaire. Alors je crois qu'il y a... et pas nécessairement contradictoire. Et pas nécessairement contradictoire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une contradiction de fait dans le texte. Et ma lecture, enfin je pense que l'originalité de ma lecture, c'est justement de montrer qu'une double lecture permet, dans une certaine mesure, de comprendre... je ne dis pas de lever entièrement, mais de la comprendre. Et qu'il faut tenir compte aussi de... comme je disais tout à l'heure, du statut spécial des textes de Freud sur l'art d'une part, c'est-à-dire que finalement, il propose un certain nombre d'hypothèses, il fait ce qu'il appelle une construction, il fait des constructions, il ne fait pas des interprétations, il fait des constructions et qu'il donne lui-même comme hypothétique. Bon. Mais d'autre part, il faut tenir compte des résistances, c'est-à-dire que Freud, qui est un excellent écrivain, dans une certaine mesure en ce sens-là, qui s'adresse à un certain public, c'est qu'il y a des résistances, non seulement à l'égard de la psychanalyse en général, parce qu'on peut dire qu'à une certaine époque, il y avait déjà une certaine levée des résistances, mais il y en a toujours et même actuellement, mais en particulier d'une application, je dis bien entre guillemets, de la psychanalyse aux œuvres d'art, parce que là, il ose s'attaquer à l'esprit, à la liberté, à la volonté, et pas simplement aux pulsions. Parce qu'à la rigueur, on veut bien qu'il y ait une psychanalyse des fous, mais pas tellement du génie, ce qu'on appelait le génie, de l'homme sublime. Et je crois que lorsqu'il s'attaque à l'art, il y a encore une résistance beaucoup plus grande du public que quand il a proposé une méthode de guérison des malades. Parce qu'après tout, pour les malades, la psychanalyse, c'est bon. Disons, ça se répète le grand public, mais on ne veut pas tellement que ce soit pour le... Je dirais que vous avez déjà répondu à l'objection que je voulais vous faire, parce que justement, je voulais dire qu'il résulte de ces présupposés, de cette, il me semble, tout de même, j'insiste, il me semble de cette négation d'une contradiction à l'intérieur du texte freudien, il me semble qu'il résulte de ce présupposé une méthode, c'est celle que vous venez de définir, que vous appelez la méthode de la double lecture, c'est-à-dire que, comme tout de même, vous ne pouvez pas nier l'idéologie apparente qui se manifeste dans la littéralité même du texte freudien,
Il semble que vous vouliez combler les défaillances qui se manifestent au niveau de cette idéologie par le texte justement scientifique de Freud et qui existe. Mais le problème, c'est de savoir justement pourquoi il existe cette différence entre, d'une part, un aspect idéologique du texte freudien et, d'autre part, un aspect scientifique. Voilà, je voudrais vous poser une petite question au passage. Est-ce que vous pensez qu'on peut, disons, discerner, enfin je veux dire, catégoriser de façon suffisante, d'une part, les textes sur l'art, d'autre part, les textes qui concernent, disons, la maladie ou la sexualité, etc., la clinique psychanalytique, pour arriver à considérer que les uns sont dans une optique, disons, entre guillemets, scientifique et encore recevable pour nous aujourd'hui, alors qu'il y en a certains qui sont marqués par une sorte d'idéologie 19e-iste et qui n'est plus recevable pour nous aujourd'hui. Parce que moi, je trouve personnellement, et que dans le texte le plus fameux de Freud, qui reste quand même l'interprétation du rêve, il y a un glissement tel de l'un sur l'autre, une telle capacité que les textes sur l'art ont de faire progresser les concepts psychanalytiques. Je pense par exemple à l'introduction du concept de narcissisme à partir de Léonard, qui me semble une chose flagrante. Je trouve que... Non, mais vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire que cette distinction, c'est une question de degré à l'intérieur de chaque texte freudien. Il y a des textes qui sont plus marqués par l'idéologie et d'autres textes qui sont plus scientifiques. C'est bien évident. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire ce texte est complètement idéologique et ce texte est complètement scientifique. Mais il est bien certain que, par exemple, que l'interprétation des rêves est un texte vraiment massivement scientifique, alors que Malaise dans la civilisation est un texte qui est quand même plutôt massivement idéologique, vous comprenez? Donc, il me semble que toute votre méthode consiste à effacer justement le problème idéologique que pose un certain niveau du texte freudien par son aspect scientifique. Alors... Autrement dit, j'ai un peu l'impression que vous arrivez à une reconstruction dans votre livre non pas de ce que Freud a dit, mais de ce qu'il aurait pu dire avec le reste de son œuvre s'il n'avait pas été totalement, justement, s'il n'avait pas été influencé ou imprégné d'idéologie, ce qu'il aurait dû dire concernant l'œuvre d'art. Bon, j'aurais d'autres objections à faire. Je vais de nouveau prendre la défense de Sarah Kaufman, parce qu'il me semble qu'elle ruine dans son livre cette fameuse idée de réduction dont on nous rebat souvent les oreilles. On nous dit communément, soit des artistes qui, eux, peuvent le faire légitimement, soit des critiques, on ne réduit pas une œuvre d'art au complexe d'Œdipe, pour l'appeler par son nom. On ne le réduit pas aux affaires de papa-maman. D'autre part, vous faites justice, je crois, d'une autre tentation, qui est de voir que Freud réduirait l'œuvre d'art à sa genèse elle-même, c'est-à-dire à nos fantasmes, à nos images profondes. Ce que je pourrais répliquer à Jean-Louis Baudry, c'est que tout de même, d'une part, on ne peut pas enfermer Freud dans son époque. On ne peut pas non plus enfermer Marx dans la situation du prolétariat anglais au milieu du 19e siècle. Et j'ajouterai encore moins dans le vocabulaire humaniste que Marx. Et même dans le vocabulaire humaniste. Quand il fait l'interprétation des rêves, il expose un processus que j'appellerais esthétique, dans la mesure où il nous dit en substance que forme et force, pour employer deux mots que vous employez vous-même, se battent dans le rêve. Que l'élément formel et l'élément pulsionnel s'y trouvent toujours en conflit et qu'on ne sait pas exactement qui des deux peut avoir le dessus. Et peut-être l'artiste, lui, si je puis dire, le sait inconsciemment. Je crois que Jean-Louis Baudry a voulu mettre l'accent, d'une part, sur l'idéologie de M. Freud, qui évidemment... se fait une certaine idée assez haute et peut-être même trop haute de l'artiste. Mais je crois qu'on pourrait en venir maintenant à des problèmes spécifiquement formels. Parce que dans votre livre, vous évoquez très souvent ces problèmes de la création des formes.
Je voudrais, avant de venir à ce problème, également répondre à Jean-Louis Baudry sur ce problème du rapport des textes sur l'art et des textes scientifiques. En reprenant toujours le même exemple de l'interprétation des rêves, qu'il reconnaît massivement scientifique, ce qui me paraît justement très intéressant, c'est que dans ce texte massivement scientifique, tous les différents concepts introduits dans ce texte pour la première fois par Freud, par exemple justement l'analyse des rêves typiques, texte très important dans lequel il découvre l'Œdipe pratiquement pour la première fois, à partir de sa propre, après son auto-analyse. Or, tous les concepts introduits par Freud pratiquement pour la première fois, les concepts qui font partie de sa métapsychologie, qu'ils resteront jusqu'au bout, comme condensation, déplacement, élaboration, bref, tous les concepts qui lui servent à interpréter les rêves et à construire certaines histoire d'un malade ou d'un artiste par la suite. Or, il trouve comme modèle d'explication et de justification de ce qu'il avance, il prend toujours, pour la totalité de ses processus, un modèle artistique. Et c'est ce que je montre très en détail dans mon deuxième chapitre, je crois, sur là-dessus, je reprends la totalité des procédés et je montre comment Freud, à chaque fois, prend le modèle artistique et montrant, dans la manière dont il prend ses modèles, qu'il a parfaitement compris les œuvres. C'est pourquoi on peut même dire que, et c'est ce que j'ai fait moi, c'est les œuvres où Freud ne parle pas directement de l'art, mais comme son œuvre, c'est l'œuvre sur les rêves, qui montre le mieux la manière dont Freud a vraiment compris ce qu'était l'art. Et à votre avis, je crois, c'est de ces textes que l'on pourrait tirer une méthodologie pour l'étude des œuvres d'art plutôt que des analyses sur le Michel-Ange, etc. Jean-Louis Baudry. Oui, je dois dire que je suis tout à fait d'accord avec Sarah Kaufmann quant à l'importance du domaine littéraire dans l'œuvre scientifique de Freud. Et c'est justement là que ça pose une question. Parce qu'on voit justement que dans la façon même dont Freud se sert de la littérature, qu'il y a une production particulière de la littérature, qui est une production de connaissances, et qui est une production, vous dites vous-même qu'un certain nombre de concepts dont Freud se sert viennent du domaine de l'art, c'est donc qu'il y a une pratique particulière, qui est une pratique productrice, transformatrice du réel, mais que lorsque Freud aborde directement les œuvres d'art, il ne voit plus du tout cet aspect transformateur, cet aspect de production, cet aspect de matérialité signifiante que représente la production de textes et d'écriture, et il le renvoie constamment à un sujet, à des pulsions, à un sujet psychanalytique, et il n'en voit pas l'aspect vraiment tout à fait historique, qui est un aspect producteur, qui est une région parmi d'autres régions qui sont liées entre elles et qui produisent effectivement l'histoire. Et ça, vous me donnez totalement raison en disant qu'effectivement, Freud se sert de la littérature. Non, justement, je vous donne tout à fait tort. Ce que je veux dire, c'est que je suis d'accord avec la première partie de votre réponse, mais que la deuxième, pas du tout. C'est-à-dire qu'il y a deux moments dans l'attitude de Freud à l'égard de l'art. Le premier moment, dans lequel il prend justement les œuvres d'art comme modèle scientifique. Ce premier moment, vous êtes d'accord avec moi. Vous êtes d'accord avec moi pour reconnaître que l'usage qu'il en fait prouve, enfin, il montre les exemples qu'il donne, qu'il a une certaine connaissance de ce qu'est la production artistique à ce niveau-là. Mais encore qu'on pourrait dire que ça n'est pas pour montrer comment les concepts d'élaboration, de surdétermination, de condensation, de déplacement sont à l'œuvre dans des textes, le Léonard par exemple avec la figure de Sainte-Anne et de la Vierge, qui empêche Freud par ailleurs d'employer un certain nombre de concepts tels que paternité, création, filiation, œuvre, qui eux peuvent sembler relever d'une idéologie relativement passéiste. Enfin là, je veux dire que la collusion des deux procédés. C'est exactement ce que je dis, c'est qu'il y a une contradiction. Non, je crois qu'il y a ce premier niveau. Ce premier niveau, en réalité, pour être valable, implique nécessairement dans Freud un deuxième moment qui est d'analyser les œuvres d'art. Car si les œuvres d'art ont pu servir de modèle de compréhension, c'est en réalité déjà soumis à une interprétation analytique. C'est-à-dire quand il prendra par exemple l'exemple d'Édipe Roy pour corroborer le fait qu'il y a un Édipe dans les rêves typiques, il ne peut le faire qu'en ayant déjà interprété analytiquement l'Édipe Roy. Bon. Ce qui fait que ce premier moment l'amène nécessairement à un deuxième qui est l'analyse d'œuvre d'art, mais
dans l'analyse, et c'est pourquoi il ne mettra pas exactement le même accent, parce qu'il reprend les différents exemples à des niveaux différents, leur faisant jouer un rôle différent, mais au niveau de ce deuxième moment, il ne, alors ça, je ne suis pas du tout d'accord avec vous, il ne néglige absolument pas du tout la forme. Et pour en revenir à la genèse, si tout à l'heure vous disiez, à ce moment-là, il oublie complètement la production, comme de la production de l'art. Enfin, il dit à un moment donné, vous le citez dans votre livre, je m'intéresse pour les œuvres d'art, je m'intéresse beaucoup plus au contenu qu'à la forme. Ce à quoi on peut dire qu'heureusement, il n'a pas eu le même regard quand il s'est agi du rêve, parce que sinon la psychanalyse n'aurait pas existé. Oui, mais en réalité, quand il dit ça, effectivement, je le dis dans mon livre, comme vous le dites, mais je le dis justement pour absolument le réinterpréter autrement, c'est-à-dire que je dis ça à propos, c'est dans le texte du Moïse du Michel-Ange, où je montre que tout ce texte est un texte à relire entièrement, c'est-à-dire qu'il commence par dire « oui, je ne suis qu'un amateur et je laisse aux esthéticiens de profession le loisir et de faire une analyse formelle, le travail, ça je le reconnais ». Et en réalité, toute son analyse du Moïse par la suite montre que, qu'est-ce qu'il fait concernant ces esthéticiens de profession? Il montre qu'ils n'ont absolument rien compris, et pas seulement compris parce qu'ils s'intéressent, parce qu'ils ne cherchaient pas la même chose que Freud, mais que même du point de vue de la forme, ils n'ont même pas su voir certaines choses. Par exemple, ils n'ont pas vu, beaucoup d'esthéticiens n'ont même pas perçu que l'étape de la loi a été renversée dans la statue. Donc ce qu'il veut montrer, c'est que même pour voir... C'est pas de l'esthétique. Non, mais pour faire une description, mais même simplement la simple description formelle. C'est important quand même de voir ce qu'il y a dans une œuvre. Une description formelle n'est pas possible sans déjà une certaine conception. Enfin, on va dire dans la perception elle-même de la forme, il y a un refoulé. Oui, au fond, j'arrive pas à voir pourquoi les optiques seraient tellement exclusives. C'est-à-dire, par exemple, si Freud emploie des concepts comme le concept de paternité de l'œuvre, en quoi le concept de paternité de l'œuvre, qui, disons, est un concept qui, d'une certaine façon, peut être considéré comme un concept idéaliste, ne pourrait pas être inclus au titre d'une intelligibilité du texte comme concept de production de l'œuvre, corollairement, par exemple, avec un concept plus moderne qui vise à dénier, en quelque sorte, cette paternité de l'œuvre en la référant à une structuration d'un autre type, par exemple le concept d'intertextualité tel que Kristeva nous l'a fait parvenir à travers les analyses de Bakhtin. Je vois pas pourquoi les choses seraient de caractère opposé. Qu'est-ce qui nous dit que dans l'œuvre n'est pas lisible à un certain niveau, même si on peut choisir de la lire également à d'autres niveaux, des concepts de ce type? Je prends la Gradiva par exemple. Il n'est pas niable qu'il n'y ait dans la Gradiva, dans le texte même de la Gradiva, une certaine image de l'artiste, qu'il y ait une certaine image de la création, même si Freud dans ce texte ne peut pas s'intéresser à Janssen lui-même puisqu'il n'a pas d'éléments, mais que malgré tout il y a un jeu d'identification avec le héros propre à pouvoir faire fonctionner ce type de productivité du texte, et qui en même temps n'exclurait pas du tout qu'on réinterprète le texte de Janssen verticalement, si l'on peut dire, par rapport à tout un autre niveau textuel tel qu'on l'envisage dans la littérature actuelle. Cela dit, vous me direz que le texte de Janssen est un texte trop ancien et trop traditionnel lui-même pour qu'on puisse le faire. Mais je pense que même sur des textes modernes, je ne vois pas pourquoi les positions seraient exclusives. Et je pense à cet égard à l'attitude, par exemple, disons strictement, qui est l'attitude lacanienne, qui au niveau des textes, et je pense à des textes comme son analyse de Poe, est précisément un texte qui fait intervenir justement la méthodologie freudienne la plus, disons, scientifique au titre du travail de condensation et de déplacement sur les personnages, les mots, etc., et fait en même temps intervenir, non plus comme seule origine, mais quand même comme motivation à l'intérieur du texte, encore ces concepts de paternité, de texte, de filiation, etc. Oui, mais là, Lacan s'en sert d'une façon scientifique. Par exemple, dans l'instance de la lettre, il est bien certain que ce qu'il veut montrer, c'est la différence des rôles des sujets qui vient même de leur place à l'intérieur du signifiant. Donc, il se sert de Poe comme d'une espèce de parabole, en tout cas d'illustration de ce qu'il veut indiquer par rapport à la constitution du sujet à l'intérieur du signifiant. Il me semble que pour répondre aussi à ce que vous dites quant à des points de vue qui pourraient être complémentaires, on est obligé de faire effectivement très attention aux termes, dans la mesure même où certains termes sont marqués idéologiquement, et dans la mesure même où il y a un travail scientifique qui débute, qui est un travail sur la science du texte, et par exemple,
On peut opposer père à producteur, par exemple. Il est bien certain que on ne peut pas employer indifféremment l'un et l'autre parce qu'il y a une théorie qui est sous-jacente même à ces textes et une théorie qui se constitue. Donc on est obligé de faire extrêmement attention, je crois, aux termes qu'on emploie. Je crois que vous venez de prouver indirectement, Jean-Louis Baudry, que la pensée de Freud sur les phénomènes esthétiques et au sens le plus large du terme, je vais jusqu'à dire que le rêve est un phénomène esthétique dans la pensée de Freud, est une pensée qui est en quelque sorte charnière. C'est-à-dire que nous sommes d'une part en train de quitter le mythe de l'art et de la beauté, avec des majuscules, et nous sommes d'autre part au début d'une démarche qui recherche les significations des œuvres d'art entre deux niveaux, en fait. Le niveau du signifié et le niveau du signifiant. Je dis bien qu'il n'y a pas à privilégier jusqu'à présent, si je pense à la date à laquelle meurt Freud, il n'y a pas à privilégier le signifiant par rapport au signifié, mais nous entrons dans une période d'examen des œuvres d'art où le problème se pose entre eux signifié et signifiant. C'est un problème méthodologique. Et sur ce point, on peut dire que les analyses de Freud et tout le travail freudien tel que l'expose Sarah Kaufman est évidemment fondamental, même dans votre optique à vous, qui est dans une optique, si je comprends bien, de production. Car votre optique, Jean-Louis Baudry, si je considère non seulement vos œuvres créer, vous n'aimez pas le mot créer, mais enfin si je considère vos œuvres de fiction et si je considère votre travail critique, est une attitude qui est axée d'une part sur une notion de production antinomique de la notion de paternité, c'est-à-dire que l'œuvre n'a pas de père, etc. Et d'autre part, elle se situe au niveau d'un travail sur le signifiant. C'est-à-dire que vous reprochez implicitement et explicitement d'ailleurs à Freud de n'avoir pas vu le problème de l'enchaînement des spécificités de l'art. Si je comprends bien, n'est-ce pas ? C'est-à-dire de ne pas avoir saisi la spécificité de la pratique. Oui, et pour la saisir, Sarah Kaufman, ne fallait-il pas procéder comme Freud a fait ? Oui, c'est-à-dire que d'abord, moi, sur ce problème de la paternité, je ne suis absolument pas d'accord avec ce qui a été dit jusqu'à présent. C'est-à-dire, je pense que ça me paraît énorme d'affirmer que Freud admettrait une paternité de l'artiste comme père de ses œuvres. Il resterait à cette position énorme dans la mesure où il est le premier à avoir quand même mis l'accent sur l'inconscient. Bon, ne serait-ce que ça. Est-ce que ça me paraît absolument énorme d'affirmer. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi si je vous dis que Freud n'affirme pas du tout que l'œuvre d'art a un père, mais que le problème de la paternité est fondamental dans l'œuvre d'art? C'est ça, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais que c'est pas... Autrement dit, ce qu'il faut voir, c'est quand même voir comment les artistes d'une certaine époque se prennent pour le père. C'est-à-dire que finalement, le projet de Freud, c'est de montrer que la visée dernière de l'artiste, c'est d'être auto-créateur. C'est-à-dire finalement d'être à lui-même son propre père et sa propre mère. Finalement. Mais donc, c'est là où je ne suis évidemment pas d'accord, même avec cette transformation d'une idéologie théologique, car les termes même de cette idéologie demeurent, c'est-à-dire que demeurent les termes de fils, de père, de mère, et je ne suis pas sûr que ce soit des termes qui soient pertinents au niveau de cette pratique spécifique qu'on appelle la pratique de l'écriture. Oui, mais enfin, moi je crois... que ça peut être aussi simple, que ça n'est pas un idéalisme retourné que de vouloir les évider totalement jusqu'à les faire disparaître, dans la mesure où je dirais que même si on n'est pas le père de son rêve, on peut rêver de son propre père. Il est bien certain qu'il s'agit effectivement à ce niveau-là de faire un travail scientifique et qu'on ne peut pas le congédier comme ça. C'est ce à quoi nous nous employons d'ailleurs. Je crois que par exemple, déjà Platon avait conscience de ce problème-là, c'est-à-dire quand il parlait d'une inspiration, de l'inspiration comme concept théologique, de l'inspiration des poètes, c'est-à-dire finalement qu'est-ce que ça voulait dire profondément, c'est-à-dire que l'artiste est incapable de rendre raison de ce qu'il fait, de ce qu'il produit. De ce qu'il fait, ça signifie qu'justement, il n'est pas le père de ses œuvres. Et on le trouve à un autre niveau dans la pensée platonicienne, l'idée que lorsqu'on écrit, parce que quand il s'intéresse spécialement à l'écriture, lorsqu'on écrit, eh bien, on est le texte, on ne peut plus se reconnaître dans son texte, le texte vit indépendamment de soi, et que le texte écrit est comme un orphelin qui a perdu son père.
Et il oppose justement l'écriture à la dialectique, dans laquelle il y a toujours le père comme défenseur. Donc, c'est un problème extrêmement ancien et dans lequel est déjà marqué dès l'origine cette coupure finalement entre l'œuvre et celui qui la produit, et justement que c'est un produit qui fonctionne par lui-même. Bon, et je crois que Freud reprend ce même problème. Il le reprend, mais justement, au lieu de parler d'inspiration, il remplace le concept d'inspiration par des concepts métapsychologiques, le processus primaire. Bon, et ce qu'il veut montrer dans une certaine mesure, non seulement que l'artiste n'est pas le père de ses œuvres, mais qu'il vise par son œuvre à être son propre père, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les fantasmes qui sont à l'œuvre dans les œuvres, eh bien, elles sont en réalité produites par les œuvres elles-mêmes. C'est-à-dire, je crois qu'il ne faut pas comprendre le rapport entre le fantasme et les œuvres comme une projection, au sens où il y aurait un premier texte qui serait le texte du fantasme, qui serait traduit ou exprimé dans un texte, mais c'est que le texte produit par l'artiste permet d'y constituer après coup un certain nombre de fantasmes et en ce sens de construire une certaine personnalité. Je crois que le mot de construction est très important. C'est-à-dire que pour Freud, le texte de l'art est une certaine construction et que est une certaine construction absolument spécifique et absolument originale. Et c'est pourquoi il prend le modèle du rêve pour montrer que bien qu'il y ait un rapport avec les forces dont parlait Zerafa tout à l'heure, les forces, les pulsions, il y a bien un rapport, mais ce n'est pas du tout un rapport d'expressivité. C'est une construction formelle qui permet, après coup, de construire une certaine histoire, après coup de lire un certain nombre de fantasmes et après coup même de construire ces fantasmes. C'est-à-dire que s'il y avait déjà d'abord les fantasmes, il n'y aurait pas besoin de l'œuvre d'art, si le fantasme était déjà un texte construit. Alors je crois que c'est un point très important pour ce problème de la paternité. Je voudrais citer, parce que c'est un texte qui n'est pas connu, dans l'analyse dans Dostoïevski, dans son analyse sur Dostoïevski, quand il prend le texte de Stephen Zweig sur les 24 heures de la vie d'une femme, il fait une étude absolument textuelle, enfin de formelle, de la forme et de la structure de ce texte, en montrant bien que tout le texte est comme une sorte de façade qui voile un certain sens que lui va construire, mais qui est absolument inconscient de Stephen Zweig lui-même, et qui ne veut pas du tout dire ni exprimer. Et les auteurs, lorsqu'ils sont vivants et qu'ils lisent les interprétations que donne Freud, refusent toujours le sens. Refusent toujours, pas seulement parce que c'est inconscient, et refusent. Mais pourtant, dit Freud, tout ce que j'ai dit se trouve dans le texte même. C'est-à-dire, c'est à partir du texte et dans le texte même que finalement advient à la fois une certaine forme, un certain sens, un certain nombre de fantasmes. Je voudrais très rapidement répondre à Sarah Kaufman, parce qu'il y a beaucoup de choses dans ce qu'elle vient de dire. Alors, pour faire bref, je dirais que un de vos chapitres s'appelle Le texte à déchiffrer. L'œuvre d'art, texte à déchiffrer, je vous demanderais à déchiffrer quoi? Et j'ai l'impression que c'est à déchiffrer un sujet qui est le même que le sujet psychanalytique. Et peut-être que, je vous dis, pour aller très très vite, on pourrait se poser la question de savoir si le sujet de la psychanalyse, le sujet parlant qui est allongé sur le divan, est bien le même sujet, le sujet écrivant, le sujet qui est engendré par l'écriture. Vous comprenez? Là, il me semble que se pose une question absolument fondamentale. Or, il est bien certain que Freud, et c'est en ce sens-là que je dis qu'il reste dans un certain espace, il est bien certain que Freud a tendance à ramener, à voir d'une part l'œuvre comme un symptôme, et à ramener le déchiffrement de ce symptôme à un sujet qui n'est autre que le sujet psychanalytique, sans préserver une spécificité à cette pratique particulière qui est la pratique signifiante. D'autre part, vous avez parlé du rapport de l'œuvre avec le fantasme. Il me semble que dans votre livre, d'ailleurs, il m'a semblé saisir un certain nombre de, je ne sais pas, peut-être il faudrait pas dire de contradictions, mais de petites divergences, parce que à certains moments, vous dites que l'œuvre d'art est comme le fantasme, à d'autres moments qu'elle est un substitut du fantasme, et à d'autres moments, il semble que vous fassiez quand même de l'œuvre une reproduction, une représentation du fantasme. Et je voudrais d'autre part souligner un autre point qui se rattache à ce qu'on vient de dire sur le fantasme, c'est qu'il me semble que l'on passe directement, si vous voulez, du réel à l'imaginaire, et le fantasme représente bien l'imaginaire, mais qu'il n'est fait dans votre livre aucune allusion à l'ordre symbolique, qui est l'ordre même du langage et de l'écriture. Quand je dis que Freud
traite l'œuvre d'art comme le fantasme, c'est effectivement une expression de moi, c'est lorsque je veux montrer que la manière dont qu'il n'y a pas de divergence dans le traitement qu'il fait, lui, du fantasme et de l'œuvre d'art, c'est-à-dire qu'il voit l'un comme l'autre comme des constructions absolument originales, c'est-à-dire que de même que le fantasme n'est pas une traduction d'un passé déjà existant, de même l'œuvre d'art à son tour n'est pas une traduction d'un fantasme qui préexisterait. Quand je dis par ailleurs que l'œuvre d'art ne traduit pas le fantasme, à ce moment-là, je ne me situe plus du même point de vue, c'est lorsque je veux dire que justement l'œuvre d'art est quelque chose d'absolument original par rapport au fantasme. Donc ici, il n'y a pas de contradiction, c'était deux moments différents de ma lecture. Oui, mais elle a le même statut dans l'ordre des instances, si vous voulez. Ah oui, alors quand je cite des textes où il y a marqué « représentation de fantasme », c'est là lorsque je reprends la littéralité même du texte de Freud qui lui justement parle de représentation de fantasme, et c'est mon interprétation qui passe de représentation de fantasme à dire construction de fantasme. Alors cela m'amène à répondre à un deuxième point qui avait été soulevé, c'est que justement, finalement, Freud fait toujours intervenir les mêmes instances, ce qui fait qu'on a affaire toujours au même sujet. Alors là, je crois que je serais d'accord. C'est-à-dire qu'un des grands points de Freud, et je crois que alors là, c'est quand même lié à la situation même de Freud, et à ce qui était important pour lui, et à son projet même, c'est que lui, ce qu'il vise essentiellement à montrer, c'est la continuité. La continuité, c'est-à-dire que quels que soient les produits, on peut parler de produits, quels que soient les produits, que ce soit les produits, le rêve, que ce soit les fantasmes, que ce soit les œuvres d'art, les œuvres culturelles d'une manière générale, eh bien, finalement, ça renvoie effectivement toujours au même type de processus, continuité. Je crois que ce qui était important ici de montrer la continuité, c'est parce qu'il s'opposait justement à une position métaphysique, car là, effectivement, quand je dis théologique, je veux dire aussi métaphysique et idéaliste, une position métaphysique est justement caractérisée par la spécificité des facultés. Oui, mais votre spécificité est quand même un peu trop large, si je puis dire. Elle est un peu positiviste chez Freud. Là, je veux dire par là que on peut reprocher non pas à votre livre, mais à Freud, ce que nous disions tout à l'heure, c'est-à-dire de ne pas tenir compte des couches de conscience de spécificité de l'art qui se sont accumulées dans la création, comme on dit, artistique. Oui, non, enfin là, ce que je voulais dire pour dire, je suis d'accord ici, qu'il y a une sorte d'aplatissement, c'est-à-dire que finalement on est toujours envoyé au même processus, mais que ça faisait partie du projet de Freud qui lui luttait contre un défaut alors absolument, enfin beaucoup plus grave à mon avis, qui était de montrer une séparation radicale de toutes les facultés et qui était de type métaphysique. C'est pourquoi il s'opposait à ce qu'il appelle les esthéticiens de profession en tant qu'il voulait faire de l'esthétique une discipline absolument spécialisée, coupée de toute référence au psychique. Alors je crois que là j'insiste beaucoup sur cet aspect de continuité. Mais néanmoins je veux dire, et c'est ce que fait aussi Freud et ce qui l'intéresse fondamentalement, c'est justement de montrer une sorte, ce qu'il appelle lui les ressemblances, enfin, il appelle des répétitions, des mêmes procédés. Mais néanmoins, ça je crois aussi que c'est, même si lui, si vous voulez, ne met pas tellement l'accent là-dessus, je crois qu'il veut aussi montrer les différences. Les différences, alors non pas dans l'intervention des processus psychiques, mais les différences finalement dans le produit. Le produit, dans le produit, et par exemple, ça c'est un point important parce qu'on fait souvent des erreurs dessus, il ne veut absolument pas réduire l'artiste à un névrosé. Donc s'il est vrai que ce sont les mêmes processus qui interviennent, il dira l'artiste est un homme, son expression, qui frise la névrose. Mais friser, ce n'est pas être névrosé. Et il dira que les produits culturels ne sont pas du tout des répétitions de la maladie, mais c'est que l'inverse, ce sont les maladies qui sont des caricatures des œuvres culturelles, des caricatures ou encore ce qu'il appelle des échos déformés. Alors ça c'est un point important, je crois que je terminerai peut-être ici sur une image qui montrerait bien, une image que je reprends à clé, qui montre bien à la fois la continuité et la différence telle que Freud l'introduit. C'est-à-dire la continuité, c'est l'image de l'arbre. Bon, continuité parfaite entre les racines, le tronc, les branches et le fruit. Continuité qui implique une continuité des processus, une continuité génétique, mais différence radicale du point de vue de la structure. C'est-à-dire que les racines, le tronc, les branches et les fruits ont une structure totalement différente, de même que finalement, le produit qu'est le fantasme, le produit qu'est le rêve, le produit qu'est l'art, s'ils font intervenir les mêmes processus, et s'ils renvoient finalement à un même type de jeu de force, sont radicalement différents dans leur texture et leur structure. Mais pas un même type de jeu de forme. Je ne suis pas sûr que cette image de l'arbre ne soit pas métaphysique.